On se moque de nous, les enfants rigolent. Ce sont des jaloux. Notre princesse a osé. Quelle bien jolie scène. Elle l'a déposée. Sa main dans la mienne. Dort-il encore ou est-il réveillé? Nous sommes les lutins des rêves. Nous avons jeté un sort à Elwen. On y va! Nous vous invitons à voyager dans la tête d'Elwen. Rassurant, bonne nuit, petit loup. Blottis au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nuit. C'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris. Chante comme un bruit qui remue dans les placards, un cliquetis, gesticulant dans le noir. Ce qu'on me dit tout le temps. J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte. Une espèce de vampire à moitié cloporte. Ce doit être dans ma tête. Voilà ce que l'on me répète. J'entends sur le toit comme des bruits de pas comme c'est Dracula. Vous avez pas peur du noir, vous? Moi, ce que j'aime pas la nuit, c'est quand papa et maman ils ferment complètement la porte. Et moi, je reste avec mes cauchemars dans ma chambre. Et moi, j'aime pas ça. Oust, oust. J'ai peur du noir. J'ai très peur des serpents. Je n'aime pas les araignées.
l'heure. Plus fort, Robin, on n'entend pas. C'est le rideau qui bouge dans la nuit. Pire cauchemar, c'est qu'un cannibale me dévore la tête. Tentez de rentrer chez moi, c'est mon imagination fouillant ce que l'on me répond. La joie, Hélène, c'est quoi? Anniversaire. J'adore les anniversaires. Tristesse? Funérarium. J'aime pas le funérarium parce qu'il y a des morts qui sont blancs. Colère? Le ménage. J'aime pas faire le ménage. Fête? J'adore les fêtes. Moquerie. J'aime pas qu'on se moque de moi. Je me fais de la peine quand on me dit des gros mots. J'adore les cadeaux parce qu'il y a des surprises dedans. Malheureuse. Je suis malheureuse. Un cadeau. J'adore les cadeaux parce qu'il y a des surprises dedans. Souffle, souffle le vent. Viens, cauchemar, cauchemar. Un magicien m'a dit qu'avec une fourchette, on peut faire plein de choses. Ceci n'est plus une fourchette, c'est une loupe. Ceci n'est plus une fourchette, mais une brosse. Ceci n'est plus une fourchette, mais un micro. Là. Ceci n'est plus une fourchette, mais une brosse à dents. Ceci n'est plus une fourchette, mais une boucle d'oreille. Ceci n'est plus une fourchette, mais un crayon. Ceci n'est plus une fourchette, mais une fourche. Ceci n'est plus une fourchette, c'est un fouet. Ceci n'est plus une fourchette, mais une pelle. Ceci n'est plus une fourchette, mais une baguette magique. Abracadabra! 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 Mon plus beau rêve, c'est de voler. Mon plus beau rêve, ce serait d'être une princesse. Un jour, mon père viendra. Mon plus beau rêve, c'est d'être riche. Ah, de l'argent, de l'argent, je suis riche. Mon plus beau rêve, c'est d'avoir de super pouvoirs. Comme lire dans les pensées. Vous passez un excellent moment. Mon plus beau rêve, c'est d'être invisible. Mon plus beau rêve, c'est d'être un vampire. Mon plus beau rêve, c'est d'aller au nez. Je me sens mieux avec tous ces rêves. Maintenant, je peux tranquillement dormir.
il faut dormir maintenant. Les parents veillent sur vous, tout est calme et rassurant. Bonne nuit, petit loup. Blotti au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nid, c'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris. J'entends comme un bruit qui remue dans les placards, un cliquetis. Gesticulant dans le noir, ce doit être le vent. Voilà ce qu'on me dit tout le temps. J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié clopant. Ce doit être dans ma tête, voilà ce que l'on me répète. J'entends sur le trône. Monsieur Ray Yuen. Applaudissements. Je suis le roi de la danse, oh, la grande dame liée. De la puissance, ils au plus haut, et pourtant, je dois vous envier. Les trois anges, Élise, Anaïs, Hélène. Applaudissements. Moi, des singes ennuyeux, oh, vous êtes doux, je voudrais marcher comme vous. Les trois nains, les trois lutins. On recommence. Les trois lutins. Erwan, Lucie, Groupe. Marchant avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme. Moi, le secret pour être un homme est vraiment si mystérieux. Pour moi, faire éclore la grande.